Et nous retrouvons dans XCOM 2. Alors, la dernière fois, nous avions fait une mission qui n'était pas prévue du tout. C'était une mission de secours. À empêcher les représailles. Ça s'est bien passé, mais on a eu quelques blessés. C'est un peu embêtant. Mais en général, ça s'est plutôt bien passé. On a pu récupérer des cadavres de... les gros, là, les métamorphes. Donc on va continuer. Donc je pense qu'on va avoir des attaques dans pas très longtemps. Alliage, ça c'est bien. On va continuer notre radio, notre relais. Nous mettons le cap sur la zone indonésienne. Je pense voir une mission d'ici un ou deux jours. Je pense. Je vous reçois 5 sur 5. Qui était très bien. J'ai déjà beaucoup appris sur vos méthodes, commandant. Et bientôt, je vous reprendrai avec tout ce que vous avez pris aux anciens. Calcul du nouveau. On va au marché, il y a des nouvelles choses. Parce que le mois est passé. Donc on va voir. Par contre, on n'a pas de renseignements. Donc bon, ça m'étonnerait qu'on puisse acheter quelque chose. Le marché est ouvert. Pas avant, acheter. Ah. Répéteur supérieur. Ça, on va l'acheter. Alors, je suis pas super fan de balancer des renseignements pour récupérer des objets. Mais les répéteurs, ça, c'est autre chose. Là, c'est un peu autre chose. Là, on a 260, on va rester comme ça. Ressources ou alliage. On va prendre alliage parce qu'on n'a pas vraiment grand-chose, en fait. Il nous manque de l'hélérium, surtout. Coordonnées de la base extraterrestre verrouillée, commandant. Il y a une nouvelle base. Waouh, ok. On a 5 bases, quoi, c'est abusé. Ok, armure war fini. Commandant, j'ai pu examiner de plus près certaines armes d'Advent récupérées sur le terrain. L'alliage utilisé est beaucoup plus léger, ce qui le rend nettement mieux adapté à la morphologie humaine. Je pense qu'il s'agit du même matériau qu'on a pu les voir utiliser dans toutes les colonies. Mais ils doivent en produire quelque part sur notre planète. On va faire protocole écran bleu. Quasi illimité. Ah, il faut des ressources pour ça. On va pas le faire. Il faut des ressources pour créer les... Les nouvelles armes lourdes. Pensez à toutes les vies, oui, ça, qui auraient pu être épargnées si vous étiez resté à votre place auprès des anciens. Très bien. Nos amis de la résistance paient un lourd tribut avec ses élus en liberté. Nous devons les éliminer avant qu'ils frappent à nouveau. Commandant, en construisant cette salle de décryptage, nous serions mieux à même de comprendre et d'analyser les artefacts et données extraterrestres que nous récupérons. Oui, oui, on va la faire là. T'as ça. Blessure. Nous sommes tombés dans une embuscade, oh commandant. Non. Mes partisans me diront ce qu'il s'est passé. Vos subterfuges inutiles ont échoué. Et cette défaite vous coûtera cher. Oh merde. Oh putain, c'était une mission avec faible. On a envoyé qui? On a envoyé un soldat. Bon, c'est pas très grave si elle meurt. C'était un ranger, je crois. Mais on a envoyé aussi le templier. Le templier, faut qu'il survive. Le templier, c'est la... Voilà, c'est celui-là qui doit survivre au maximum. Oh, la merde. Oh, la merde. Oh, comment c'est loin. Vous n'avez pas une minute à perdre. Mettez-vous à découvert et rejoignez le point d'extraction. En plus, c'est dans le territoire des ombres. Mais tu déconnes pour la... Non, tu déconnes pas apparemment. C'est de la distance, c'est ça. Okay. Ligne droite à tout prix. Immeuble en immeuble, peut-être. Ou alors... Oh merde, c'est quoi le meilleur
moyen. Ah, on est contre le mur. Ok, on peut utiliser ça. I'm on the move. Des advents vont venir, hein. Donc on y va. On trace. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Zadven qui arrive. Ils ont appelé les renforts. Spectre 1, votre équipe est compromise. Nous captons une équipe d'intervention d'Advent en approche de votre position. Ah, oh, on peut pas passer. Il va falloir passer par l'intérieur. Oh la merde. On va passer par là. No need to ask twice. Oh là, c'est vraiment chiant. Parce que là, en fait, ils vont les voir. J'aurais bien voulu qu'on les voie pas. Enfin, qu'ils nous voient pas du tout. On pourrait se mettre là. Là, ils ont pas de chance de nous voir. Ça me semble raisonnable. Comme ça, on n'active pas le pod. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, normalement, il ne va pas s'activer, si. Je sais pas. Je sais plus s'ils s'activent directement quand ils arrivent. Ou alors c'est parce qu'ils nous voient ou c'est parce qu'ils touchent le sol. Non, je crois que c'est ils vont s'activer automatiquement. Des petits détails comme ça que j'oublie. Ils sont pas censés être là, hein. D'accord, je crois qu'on a eu un bug. On a eu un bug. Oh putain. Moving to designated coordinates. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire, on va tirer les ombres. Comme vous voulez. On va attirer les ombres. Parti. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ça? Tellement mal positionné, c'est incroyable. Ok, allez, Templier, Templier, à la rescue quoi. Ouais, j'ai vu.
Location confirmed. On va essayer de les laisser s'amuser avec les ombres. On va voir ce que ça donne. Oh la vache. Boil burst. Ok, ça a pas l'air cool. Ça a pas l'air cool du tout. Ok, on va devoir passer par là, on va faire le tour par ce côté. Ok, bien. Le pouvoir me guide. Elle a perdu beaucoup d'HP, c'est chiant. Hein. À cause de ce con là. Oh, t'es dans la merde, Advent. Merde, je crois qu'il va vers nous. Il vient vers nous. Fais chier. Lui, il a décidé de venir par contre. Moving to position. Je passe devant. A plus, Advent. Bonne chance. Faudrait qu'elle ait l'armure de stase qui redonne des HP. Non, l'armure. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est une armure qui redonne des HP en fait. Avec les tours. Ça, c'est vachement bien. C'est devenu une ombre. Oh la blague. Ok. Hostile neutralized. Confirmed. J'ai peur qu'il y ait quelque chose là. Putain. Ce qui aurait été bien, c'est que elle est représailles. Vous savez, quand elle tape, il y a des templiers des fois qui ont représailles. Ce serait vraiment chouette. Qu'est-ce qu'on fait? On les attend ou on avance un peu? Là, il n'y a plus que les ombres à la limite, on peut les attendre. Scanning. D'accord. I got nothing. Oh la vache. Là, on a un problème. Là, on a un problème.
target down. Running dry. 74%. Vous vous rappelez comment on peut bloquer les échelles? Je pense qu'on va faire ça. Oil burst. Ah, quand on lui tire dessus, il dégage un poison. Oh, va te faire foutre, toi. Oh, la chance. Je me fais tirer dessus. Va te faire mettre, sérieux. Oh, oh. Oh, il y a l'autre advent zombie qui arrive. Faudra aller là. Kill confirmed. Negative. Weapons dry. Le truc c'est de couper, ça va pas tuer. Enfin non, ça va pas donner une action gratuite si je me rappelle bien. Rock and roll. Ce monde nous appartient. Très bien. Oh mon dieu. Même l'advent il sait pas quoi faire. Enemy destroyed. Ah deux. Ils vont taper en même temps. Et je sais pas qui ils vont taper. Il a fait une représaille. Les envahisseurs s'en prennent à moi. I think I need some help. Oh, wow. C'est là maintenant, faut partir. Alors elle pourrait tirer, ça nous... Qu'est-ce que ça ferait? Si elle le tue, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'à la limite, on peut taper avec le... avec elle et partir. Ouais, on n'a plus personne autour de nous, il y a que lui et il est occupé avec l'advent. Donc à la limite, ça va. Par contre, il faudrait qu'on passe par l'immeuble, je pense. Je pense que ce serait le plus safe de passer par l'immeuble. C'est peut-être le moins court, mais...
va se mettre là. Orders confirmed. Moving out. Je frappe pour mon peuple. Voilà, très bien. Concentration niveau 3. Là, on a un bon templier qui va one-shot. Et c'est là qu'il lui faudrait Taillade. Et moi, je la laisse 3 heures dans la mission. Et elle va couper tout le monde en rondelles. C'est énorme. Taillade. C'est pas Taillade. C'est le truc, le fait de... Quelle contre-attaque en fait. Oh là, oh là, toi t'es un peu emmerdant par contre. Donc l'autre est mort. Oh la vache. Oh putain de merde, qu'est-ce que c'est gros. L'immunité. Non, il est pas encore mort, il y en a deux en fait. Lost Boot. Ok, 7. Qu'est-ce qu'on fait? On attend? Non, mais il y a déjà une autre vague qui arrive. C'est l'heure de partir. Qu'est-ce que c'est que ça? We've got Advent here. Espérons qu'ils vont se mettre sur la gueule. On va se mettre en vigilance, peut-être que ça va lui faire peur de bouger. Mais il est au lance-flammes, et je crois qu'ils ont des lance-grenades aussi. Bon, il a pas eu peur. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Mais il va peut-être pas nous attaquer, nous. J'ai rien dit. Je ne pourrai pas repousser les attaques bien longtemps. Waouh, le mec il a brûlé jusqu'ici. Oh la vache. Je sais pas si on va y arriver. Honnêtement, je sais pas. Moving to designated position. Holding. Je suis en sécurité ici. Tu sais, on a encore une vague en dessous. Il nous fait un peu chier par contre. Vous pouvez pas vous concentrer sur l'Advent? Apparemment pas du tout, c'est bien. C'est cool, merci. Merci bande de saloperies.
Rolling. Sept et huit. Toi, tu peux tuer les deux de toute façon. On est d'accord. Si on tue, normalement, il va pas dégager de gaz. Si on tue avec elle. Donc voilà, du coup, je vais me faire foutre. C'est bien. Quoi qu'on va pas se faire... Une frappe juste. Parade, ça va protéger. Lance-flamme, il est un peu perdu parce qu'il peut pas monter. Eux par contre ils peuvent. Ça ils arrivent de l'autre côté. Bon, ce qui est bien, nous on va sauter directement par la fenêtre. Putain, j'ai l'impression de jouer à un jeu de Walking Dead quoi. Ok. Il nous a pas attaqué parce qu'il peut pas attaquer en diagonale parce qu'on est trop loin. Et je crois qu'il peut pas passer. Enfin c'est bizarre. Je vois pas pourquoi il a pas attaqué en fait. Bref. Là c'est la surprise. Là s'il y a du monde, c'est la merde. Il y a du monde. Mais ils sont loin. Affirmative, moving out. Je sais pas si c'était la meilleure des solutions. Oh mon dieu, non! On devrait pouvoir le one shot lui avec le Templier. Là tu sers à rien toi. Ok, tout le monde vient vers nous. Cool. Ça va, c'est cool, tout le monde vient vers nous. Tu osais pas me dire combien t'as d'HP toi? Apparemment non. C'est quoi la... Ok, ça c'est la course la plus rapide. Good copy. Moving on target. Fournir un bouclier d'énergie. Santé 9, armure 3. Ça marche. Les anciens protègent bien leurs sbires. Understood. Moving out. Qu'est-ce qu'on fait? On se déplace ou on fait un parade? Elle, elle est plus ou moins protégée là, non? Faudrait compter leur... Santé 4, mobilité 9. Mobilité 9.
Non, c'est bon. On va se mettre là. Lui, il est étourdi. En fait, vu qu'on n'est pas à portée, ils vont sûrement se lancer sur lui. Là, le lance-lame, lui, il est... Oh putain. Ok, comme les prédictions. Ils se mettent autour de lui parce qu'ils ont pas assez de portée. Très bien. Ok, une. Deux. C'est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Go, go, go! Waouh. Je vais faire vite. Je rentre. Waouh. Eh ben. Tous les membres de Spectre 1 ont pu être évacués. C'était chaud. C'était légèrement chaud. Oh putain. Et là encore une fois, franchement, si vous avez les bonnes habilités, comment ça peut rendre la chose ultra comme simple. Comme si les anciens, leurs armées d'extraterrestres et leurs élus ne suffisaient pas. Nous voilà maintenant face à des zombies. On perd ou on gagne un carré? Ah, on perd deux. Ah, c'est parce que oui, en fait, si vous faites pas la mission, les mecs se font capturer automatiquement, je crois. Mais vu qu'on l'a faite et qu'on a échappé, bah du coup, ça marche. Notre mission secrète est terminée, commandant. Ah ben putain. C'était quand même comac, hein, le truc. Oh la vache. Alors, volonté, visée, c'est intéressant. On a une promotion, piratage, esquive. Bon, après, qu'est-ce qu'on a besoin? Projet d'avatar, non, point de capacité. Point de capacité, ouais, je dirais pas non. Des ressources, ouais. Ah, du renseignement. On fait du renseignement, comme ça on met la visée. Et puis on devrait pas se faire attaquer. Viser. Qui on pourrait augmenter à viser? On met Lupo pour la viser, peut-être. Je sais pas trop. Ou alors on met un tireur. Je sais pas qui est la meilleure entre... Vector, en théorie, il est mieux. Attendez. Voyons, lesquels sont les plus intéressants? On a Elena de basique. Elle a œil de lynx, ce qui est bien. Elle a élément tactique, ce qui est bien aussi. Visée holographique, c'est pas utile. Donc, œil de lynx, c'est bien pour tuer. Ça permet de pouvoir faire des dégâts en plus. Rester. On va voir ce qu'elle a. Vision commune. Elle va gagner vision commune. Je regarde parce que là on va envoyer un mec, donc c'est pas la surprise. Vision commune. Est-ce que c'est utile pour elle? Ah, c'est bien, hein. Donc elle pourrait tirer partout où elle est. Genre, imaginons, on l'envoie très loin dans... Genre, profond dans une base... Ennemi, en invisible encore, en ombre, parce que nous on reste au camp, bah, comme on avait fait contre l'élu par exemple. Du coup, elle pourrait même nous aider, même si elle est loin de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc plus de visée, ça pourrait vraiment aider. Genre elle pourrait finir les monstres qu'on n'arrive pas, même si elle est très très loin de nous. Ça, pour elle, ça peut être intéressant.
Donc pour l'instant, elle est très très bien classée. Vector. Vector, il a zone mortelle. Effectue un tir de frappe contre tout ennemi se déplaçant ou attaquant dans un cône de visée. Il a vision commune ici, Vector. Zone mortelle. Est-ce que la zone mortelle est utile? Est-ce que la zone mortelle est utile? C'est pas vraiment un truc que j'ai utilisé. C'est bien à la limite pour les snipers, mais pas pour les éclaireurs. Bon bah, Elena reste le mieux. Elena reste le mieux. On peut la personnaliser, Elena. Genre changer le sexe et tout. Parce que j'ai envie d'en faire Vector, du coup, vous savez, comme ça on aurait une équipe de Resident Evil un peu homogène et tout, ça peut être pas mal. Bon. Ouais, parce qu'en plus elle aura équipement tactique. Donc ça veut dire qu'elle peut... Donc elle peut avoir un truc en plus. Enfin, elle, elle en a pas de base. Armure du faucheur, elle en a pas de base, mais du coup elle en a... Si on prend Vector, normalement lui n'en a pas. C'est bien d'accord, c'est bien ça. Voilà. Vector n'a pas. Donc on peut pas lui mettre des balles en plus. On peut pas lui mettre balles poison, balles feu, balles traçantes. Non. Elena est beaucoup mieux. On va envoyer Elena en mission. En mission. Comme ça elle va gagner en visée. Visée et on gagne du renseignement. Donc Elena. Voilà. Et là, on va mettre soldat. Ok, mettre toi. Soldat blessé, il faudrait un scientifique. Voilà. Très bien. Ouais, non, là, c'est cool. Là, c'est sympa, là. Les missions secrètes, on connaît. Espérons. Oh, pardon, pardon, pardon. Voilà. Elena, nécrophobie, change de paniquer face aux ombres. Ce n'est pas dans un film, c'est la réalité. J'ai bien envoyé Elena en mission secrète. Ouais, okay. Voilà, bah c'est parfait, c'est bien comme ça. C'est bien passé, hein. C'était un peu la galère avec les ombres et tout ça, mais ça s'est bien passé. Donc du coup, voilà, moi je voulais un peu une équipe avec des gens quoi dedans. Des gens de Resident Evil, ça peut être cool. Après, le truc qu'on n'utilise pas trop, c'est le sniper. Spectre. Spectre. Est-ce que vraiment les snipers, c'est utile encore? Protecteur, perforateur. Chaque tir de vigilance aussi, ouais. Ça aussi, c'est utile. Si vous tuez un ennemi pendant un tour, prochaine attaque dirigée contre vous pendant le tour de votre adversaire manquera sa cible. Si vous avez... Attends. Si vous tuez un ennemi pendant votre tour, la prochaine attaque dirigée contre vous pendant le tour de votre adversaire manquera sa cible. Ok. Il a des bons trucs, lui, en fait. Et toutes les 4, là, on peut les prendre. Donc, il y a couverture. Si vous n'avez pas attaqué pendant ce tour, vous passez en position défensive automatiquement. Donc, genre, on peut sprinter et on se remettra en position défensive. C'est super. Intouchable, ça permet d'esquiver une attaque, donc en fait il pourrait être un sniper un peu de contact, un proche des ennemis, c'est ça que je veux dire, à portée de tir. Protecteur, c'est un peu comme Lupo ce qu'elle a, ça veut dire qu'il peut tirer plusieurs fois, donc avec un sniper ça fait très mal. Hein. S'il vise bien et qu'il touche, vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'il touche, ça fait très mal, c'est un tir de sniper à chaque fois. Et il a aussi perforateur. Les attaques de fusil de précision détruisent les armures. Donc ça va être utile aussi pour plus tard. Non. Vector est cool. Vector, on va le prendre, Vector. Vector, on va le monter de niveau et tout. Et on va l'utiliser. En plus, on mettra les équipements de l'élu sur lui. Il va être sympa. Il va être sympa. Infirmerie, Institut Keria. On avait acheté, parce que je sais que j'avais des techniques de combat. Bon, on a Escouade 1, Escouade 2. Ok, tout ça on n'a pas.
Améliore le piratage de 25, toutes les sécurités d'un ne peut pas vous utiliser dans ce cas dedans. Quoi? Les tours de sécurité d'Aven ne peuvent pas voir cette unité lorsqu'elle est dissimulée. Ah, c'est pas mal ça. Parcours, 5% de chance d'obtenir une action gratuite après le premier déplacement du tour. Débute chaque mission avec un point de concentration. J'ai envie de mettre ça. Super, mais vous pouvez infliger des dégâts critiques. Visée plus 10 en mode vigilance. Il y a tout qui est intéressant. Il y a tout qui est intéressant. Par contre, c'est cher. Super boom. Super boom, c'est pas mal. Allez, parti. Voilà. Fallait bien que ça parte, l'argent. On va s'arrêter ici. Merci beaucoup d'avoir regardé. On continuera. On continuera. C'était cool. C'est cool avec les hommes. J'ai beaucoup apprécié. À la prochaine. Salut. Ciao.